C'est un film drôle, naturel, spontané, pertinent, amusant. Je tomberai plus jamais amoureux. Tu jures? Ouais. Bah vas-y, crache. Ça marche pas si tu craches pas. Le casting est très frais. On sent vraiment cette alchimie qu'il y a entre les acteurs. J'ai trouvé William vraiment excellent. Jonathan est très bien, Margot, Camille aussi. Allez, hey, balance, balance, balance. Mais t'es malade ou quoi? Je suis désolé, je t'ai pas fait mal. L'enjeu, c'était que l'amitié, l'alchimie entre William et le personnage de Nathalie soit immédiate, imprime un peu la pellicule. Donc du coup, on a fait des essais avec Margot et qui ont été assez extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai plaisir de jouer entre deux. Ça a marché tout de suite, en fait. Donc c'était très naturel. Je veux te voir, je veux t'avoir. Vous vivez ensemble, vous bouffez ensemble. À part baiser, vous faites tout ensemble. Ça doit bien y aller, la coloc, là. Je pense qu'on a une équipe qui a donné beaucoup, parce que les comédiens donnaient beaucoup. Tout le monde jouait juste. J'ai trouvé les acteurs plutôt très complices. Exactement ce qu'il fallait pour le film, donc parfait. Qu'est-ce que t'as foutu, Vincent? J'étais là depuis le départ. Comme ça, je fais du breakdance. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit. On retient quand même certaines répliques et on se dit, bon, faudrait à la fin qu'on les retienne tous. Mec, t'as une tête, elle est horrible. J'ai trouvé que ça me faisait réfléchir, moi, en fait. C'est vraiment un très bon moment. Si tu penses que toutes les comédies françaises sont les mêmes, bah, va voir à Miami, c'est bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir.